Une question que l'on me pose régulièrement, c'est est-ce que l'élection américaine, et donc l'élection de Biden, va changer quelque chose au niveau de l'investissement aux États-Unis, et notamment l'investissement pour les Français aux États-Unis? La réponse est absolument pas, tout simplement parce que le Sénat, visiblement, reste républicain. Et donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, on a un système de partage des pouvoirs qui est beaucoup plus important qu'en France. Le président américain a beaucoup moins de pouvoir aux États-Unis que le président français n'a de pouvoir en France. Et donc, pour pouvoir énacter des changements de structure ou des changements importants au niveau de l'économie aux États-Unis, il faut un accord entre le président et donc l'exécutif et le Sénat et la Chambre des représentants qui représentent le législatif. À première vue, Biden va être le président, la Chambre va rester démocrate et le Sénat va rester républicain. Et donc, il va y avoir cette constante négociation entre l'exécutif et le législatif. Les agendas des démocrates et des républicains sont très différents. Biden ne sera pas en mesure d'augmenter les impôts, par exemple, comme Trump avait pu les baisser. Biden ne sera pas en mesure de changer le taux d'imposition des sociétés, ni le taux d'imposition des individus. Et toute réforme qui aura lieu ne sera pas une réforme de structure ou une réforme importante. Ce seront des réformes mineures, ne peuvent être actées qu'au niveau de l'exécutif, au niveau de la présidentielle.